Ils nous ont présenté tout un argumentaire pour lier nos pays en union arbitraire, en promettant sans cesse à tous les sociétaires davantage de démocratie populaire. Aujourd'hui le constat est amer et amer, il semblerait plutôt qu'elle soit totalitaire. Ils nous ont supprimé notre franc séculaire pour y mettre à la place le outil monétaire, une monnaie commune faisant fi des frontières, des différences des économies contraires. Aujourd'hui le constat est amer et amer, zone éponyme en Bernalice suicidaire. Ils nous ont intégrés à leurs potes militaires en faisant miroiter un gain sécuritaire, identifiant pour nous nos propres adversaires, reniant des amis que nous avions naguère. Aujourd'hui le constat est amer, plutôt que vers la paix, ils nous poussent à la guerre. Ils ont à leur service une arme propagandaire, les tenues seulement par quelques milliardaires. Tous les médias de masse servis le prestataire, formatant les esprits en vue de leurs affaires. Aujourd'hui le constat est amer, nous ne voulons plus leur vérité de faussaire. À leurs obscurs desseins, nous sommes réfractaires, décider de nos lois, ça c'est prioritaire. Reprendre la maîtrise des questions monétaires, redorer notre France en tout point sur la terre. Aujourd'hui notre espoir, c'est l'union populaire. Aujourd'hui notre espoir s'appelle l'union.